des lèvres gonflées, des poitrines remodelées, un corps de mannequin, une peau parfaitement lisse. Sur les réseaux sociaux, les nouveaux canons de la beauté influencent les plus jeunes. Et la chirurgie esthétique n'est plus taboue. Au contraire. Cette jeune femme de 22 ans, comme beaucoup d'autres, est une habituée de ces pratiques. Elle veut des lèvres plus charnues. Et pour cela, elle va subir une injection d'acide hyaluronique, une molécule aux propriétés hydratantes. Une demande de plus en plus fréquente. Aujourd'hui, on a une mixité, des jeunes, moins jeunes, parce qu'on vit dans un monde où les problèmes évoluent et il faut s'adapter. Sur Internet, les offres de chirurgie esthétique explosent. Et les problèmes aussi, avec des complications du fait d'injections ratées. Les risques des nécroses de la bouche et du nez. Il y a des signes immédiats et dans les minutes et les heures qui suivent qui ne vont pas nous tromper. Et nous, on va être capable de réagir et d'apporter la solution immédiate, c'est-à-dire un produit qui va faire fondre l'acide hyaluronique et qui va rétablir la vascularisation. Et c'est vraiment dans ce cas-là que la différence va se faire. C'est-à-dire que le médecin, il sait diagnostiquer et traiter la complication. Les signes qui doivent alerter, une douleur anormalement forte, un changement de couleur de la peau et une perte de sensibilité.